Yo tout le monde, c'est Mick, j'espère que vous allez bien les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet on se retrouve tout simplement pour un mix au point. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de mix au point. Ça monte déjà je crois peut-être un an et demi. Ça fait longtemps clairement hein, c'est le terme. Ça fait une décennie, des milliards d'années. Non c'est pas faux, clairement ça remonte à un an et demi. Mais c'est quand même il y a assez longtemps hein, un an et demi mine de rien. Ça fait quand même une grosse période. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi je recommence les mix au point? Tout simplement parce que j'ai en ce moment pas mal d'informations à vous communiquer. Et vu qu'il y a des petits malins, là je vous vois, qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, eh bien je suis obligé de faire des petites vidéos comme ça. Parce qu'il y en a qui me suivent pas sur Twitter. Mon Twitter s'affiche, t'as intérêt à aller me suivre. Il y a mon Instagram aussi qui s'affiche à l'écran. Mon Snapchat si tu veux aller me suivre. Je suis de temps en temps actif, je réponds au snap. Mais je poste pas trop de stories parce que je trouve que c'est un peu mal fait, etc. Je préfère Instagram au niveau des stories, etc. Mais je pense que le truc où je suis le plus actif, vous le savez, mais ça reste Instagram et Twitter. Twitter, je suis de plus en plus actif en ce moment parce que je poste pas mal de tweets en rapport avec la chaîne, etc. Donc c'est vrai que j'ai repris un petit peu goût. J'avais été un petit peu dégoûté de Twitter. Mais bref, ça on s'en fout, c'est pas le but de cette vidéo. On va pas parler de ça aujourd'hui. En soi aujourd'hui j'ai pas mal d'informations à vous communiquer comme vous avez pu le constater. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo hein. Vous en doutez hein, je fais pas un mix au point en mode bon bah les gars on va faire un petit barbecue, voilà. Qui veut des merguez, qui veut des saucisses, écoute, tu veux des merguez, ok, des petites merguez, hop, tiens. Non, alors aujourd'hui on va aborder plusieurs points, je vais faire ça étape par étape. Vous l'aurez peut-être aussi vu dans le titre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme titre, je ne sais pas pour l'instant. Donc je me suis fait une petite feuille, voilà, j'ai une petite feuille comme ça. Je suis youtubeur hein, quand même, hein, faut quand même que j'écrive des trucs, on va pas se le gâcher. J'ai simplement fait une petite liste des trucs que je dois aborder durant cette vidéo pour m'en souvenir et pas me dire je suis con, j'ai oublié d'aborder ce truc. Tout d'abord, ça va être un petit point, mais je tiens à le souligner, j'ai un code créateur sur Fortnite, voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez rentrer le code MixGaming1YT, il s'affiche actuellement à l'écran, et vous pouvez acheter le nouveau pass de combat avec, acheter les, dans la boutique, etc. Il faut acheter, tout simplement, il faut que je me fasse du business. Non, je déconne. Faites comme vous voulez, tout simplement. Mais j'ai un code créateur, et si vous le rentrez, bah, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Twitter, Instagram, Snapchat, quand vous l'avez fait, comme ça je reposte en story. Et je vous partage et en plus de cela je vous ajoute en ami. Et oui j'ajoute en ami toutes les personnes qui ont mis mon code créateur. Pour ça faut m'envoyer une photo, faut bien que j'ai une preuve. Parce que je peux très bien dire que t'as mis mon code créateur et puis au final derrière t'as mis celui de ma chouette hein. Je t'ai vu. Bref voilà, c'est un petit point à souligner, mon code créateur. Vous pouvez l'utiliser, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, de toute façon je compte faire des streams sur Fortnite. Ça va arriver d'ici peu. Quand les cours seront finis pour ma part, c'est dans un mois à peu près. Parce que j'ai encore 2-3 épreuves, des petits DS, devoir surveiller et tout. Donc faut pas trop que je m'emballe dans les streams, sinon vous allez plus réviser. Donc il faut que je me calme. Hein. Bref, fin de cette première partie. Le code créateur Fortnite, voilà, il est en description, je l'ai affiché à l'écran. Il est encore affiché à l'écran, je l'affiche à nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore. Voilà, vous pouvez le mettre. Et puis merci à toutes les personnes qui vont le mettre. Ça soutient la chaîne. Ça me permet de gagner un petit peu d'argent pour tout simplement acheter le prochain matériel que je veux acheter pour mon setup. Je n'en dis pas plus parce que si je le dis, un petit peu du spoil. Je dis pas, mais ça va être du matos pour améliorer. Je dis pas, voilà, ça reste secret. Peut-être que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils le savent. Ouais, non, mais je vous incite à aller me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a plein qui me suivent pas. Donc vous avez intérêt à aller me suivre, sinon ça va... Et la baston, hein. Ensuite, on va aborder un tout autre point, on va tout simplement aborder Minecraft. Alors pourquoi j'aborde ce sujet-là dans cette vidéo? Parce que je vais pas faire une vidéo où je vais juste parler de Minecraft. Il y en a qui ont déjà fait, ouais Minecraft est mort, etc. Bon, c'est bon, Minecraft est pas mort, on va se calmer. Faut arrêter de dramatiser, là, faut arrêter de se plaindre H24 à dire, ouais on fait plus ses vues. Oui, bah c'est normal, écoutez, Minecraft c'est un jeu qui a plusieurs années. Maintenant, il commence à s'essouffler un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de nouveautés simplement sur le jeu. Les serveurs ont un peu de mal, surtout les serveurs français, ont un peu de mal à faire des améliorations, à sortir des nouveautés. Quand tu regardes iPixel, il a aucun problème. iPixel a toujours un certain nombre de connectés, même s'il est plus faible qu'à une certaine période. C'est tout à fait normal. Il y a des jeux qui font simplement qu'il y a des personnes qui vont sur d'autres jeux, etc., qui attirent davantage. C'est normal. Il y a Hytale, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Hytale parce que ça fait classe. Qui va normalement prochainement sortir, on sait pas, on a toujours pas de date. Mais on espère que ça va un petit peu
pousser la communauté cubique, parce que là ça sera plus la communauté Minecraft, étant donné que c'est pas l'équipe de Microsoft ou de Mojang qui gère ce jeu, c'est clairement l'équipe de Hypixel. Eux ils se sont chauffés, ils ont fait un serveur, les mecs maintenant ils font un jeu, ils sont très très chauds. Alors en soi il y a clairement un manque de nouveautés sur le jeu, je vais pas vous le cacher, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à vous sortir des trucs, parce qu'à l'époque il y avait encore les Icabrines qui marchaient, les Rush, etc, les Skywars, c'était le feu de Dieu. Maintenant c'est normal, les gens en ont marre simplement de vous regarder les Skywars. Moi en ce moment, les seules vidéos Minecraft que je regarde, c'est les vidéos UHC, par exemple de The Guild, Gep, Astro, Lib, il y en a plein d'autres à citer de la communauté UHC. Et je regarde aussi des vidéos d'Américains simplement qui font des traps en Skywars avec Pixel, et c'est des trucs qui sont assez récents, mais pour eux ça marche encore. Mais en France ça s'est pas mal essoufflé, simplement parce que bah voilà, on a la communauté américaine et la communauté française n'est pas la même. Ce qui est totalement normal. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que on va commencer à actionner le processus que je vous avais parlé dans le nouveau départ, tout simplement. Ce processus est que tout simplement il y aura 50% de vidéos qui seront du Minecraft et 50% de vidéos qui seront sur d'autres jeux. Alors le deuxième 50%, la deuxième moitié, bien évidemment, ne sera pas que du Fortnite. Il y aura du Fortnite, mais il y aura aussi du Sea of Thieves. Il y aura aussi tout simplement des jeux tels que CSGO. Il y aura des jeux tels que... Je pense qu'il y a plein de jeux qui sont possibles. Il y aura peut-être un petit peu d'Assassin's Creed, je sais pas. En fait, ce sera sur mes envies, mais c'est sûr qu'il y aura du Sea of Thieves, parce que je compte me lancer un petit peu, mais ça sera peut-être sous la forme de stream. Je sais pas encore comment je vais organiser ça. Je laisserai peut-être les rediffs. Bref, je sais pas trop encore. Il y aura peut-être des vidéos aussi sur Switch, des petites Mario Party, des petits Mario... Super Smash Bros, je sais pas. Simplement, je vous l'ai dit, je vais faire ce que j'aime. Faut que ça vous plaise aussi, donc c'est pour ça aussi qu'à travers cette vidéo, j'attends que vous me mettiez... je suis en train de crever. C'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais je suis malade. Wow. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, j'attends vraiment qu'il y ait plein de commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, c'est vraiment très important. C'est un peu votre vidéo. C'est à vous de me dire. C'est vraiment votre vidéo. C'est votre vidéo du mois. Voilà, le mix au point, c'est vous qui la gérez. C'est vous qui interagissez avec. C'est vraiment votre vidéo. C'est la vidéo à vous. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous parler de ce que vous voulez. Vous me dites tout ça dans les commentaires. C'est extrêmement important. J'attends vraiment que tout le monde fasse un commentaire. Une vue est égale à un commentaire, on va dire. C'est peut-être abusé, mais on l'espère. Bref, comme je vous l'ai dit, ça sera du 50% Minecraft, 50% d'autres jeux. Ça va s'actionner lentement. Il y aura toujours du Minecraft, comme je vous l'ai dit, 50%. Donc calmez-vous, calme-toi Dimitri, amène ton commentaire où il y a écrit comme quoi j'arrête Minecraft. Non, calme-toi, il y aura toujours du Minecraft, t'inquiète pas. Il y aura principalement des UHC, j'en ai parlé sur Twitter. UHC, LG, des meet-up, des UHC meet-up. Ça va être principalement ça. Il y aura toujours du Skywars, des trucs sur Hypixel, mais tout ce qui est jeu sur des serveurs français, j'ai un peu de mal. Parce que les nouveautés, tant qu'il n'y aura pas un truc vraiment qui donne envie, là, clairement, je vais plus rester sur les serveurs américains. Même si Erisium, il faut savoir, est un serveur français. Et ça fait plaisir qu'il y ait un serveur français qui marche encore aussi bien hein, cette année, parce que c'est peut-être celui qui je trouve, s'en sort le mieux, hein, de mon avis. Non, mon avis est subjectif, hein. Vous avez votre avis, j'ai mon avis, vous n'êtes pas obligé d'avaler les paroles de votre youtubeur préféré, parce que je suis votre youtubeur préféré, je vous le rappelle, mais c'est normal. Bref, ce point Minecraft que je viens d'aborder avec vous, c'est un petit peu aussi l'avenir de la chaîne pour vous expliquer comme quoi ça sera plus principalement du Minecraft, même si je vous avais dit dans le nouveau départ qu'on ferait le 50-50 et qu'au final bah, j'ai continué que sur du Minecraft parce que j'avais peur simplement de me lancer. Mais là, sincèrement, avec les vacances, je vais bien pouvoir le faire à tête reposée sans qu'il y ait les cours à côté, etc. Donc ça va me permettre vraiment de me lancer comme il faut et de bien faire la part des choses, le 50% Minecraft et 50% multigaming. J'aimerais aborder un autre point avec vous, tout simplement, c'est la perte d'abonnés massive qu'il y a en ce moment. Ça dure depuis à peu près novembre, ça doit être... Ouais, c'est à peu près novembre, il me semble. Et c'est des pertes d'abonnés qui sont assez importantes. Ça s'explique parce que je sors une vidéo, les gens n'aiment pas la vidéo, ils se désabonnent, c'est tout à fait normal. Il y a aussi des personnes qui, quand je fais un stream, se désabonnent parce qu'ils n'aiment pas le stream ou parce qu'ils se sont souvenus que j'existais et du coup, ils disent « Non, mais je veux pas être abonné à lui !» Non, ce n'est plus mon youtubeur préféré, parce que j'ai toujours été votre youtubeur préféré, enfin un jour ou l'autre, voilà, j'abuse vraiment, je le sais, hein, vraiment j'abuse vraiment, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se désabonnent, c'est totalement normal, même si en ce moment, il faut savoir qu'il y a du mieux, je trouve, je suis très content, il y a des personnes qui partagent davantage la chaîne, qui la mettent un petit peu plus en avant, il y a des personnes qui s'abonnent, qui se désabonnent. Ça fait à peu près moite-moite, ce qui fait qu'à la fin, bah, on se retrouve avec plus de personnes qui sont désabonnées qu'abonnées. Mais il y a quand même des personnes qui s'abonnent, donc c'est un mal pour un bien. Des personnes qui ne sont plus actives sur la chaîne se désabonnent.
ça me va, hein. Je préfère avoir ça que des personnes qui soient inactives sur ma chaîne. Et il y a des personnes nouvelles qui s'abonnent et donc du coup qui vont être actives sur ma chaîne, et ça, ça fait plaisir. Bref, je vais finir cette vidéo sur un dernier point. J'aimerais aborder avec vous tout simplement le point FAQ. Alors en effet, je compte faire une FAQ pour les 90 000 abonnés. Alors ne posez pas vos questions sous cette vidéo parce que ça va être le bordel, on va plus s'y retrouver. Je sortirai tout simplement peut-être une autre vidéo dédiée à ça, ou tout simplement je posterai un message dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Comme ça vous pourrez me poser les questions en dessous. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. On n'est pas près des 90 000 abonnés, parce que vu qu'on en perd plus qu'on en gagne, pour l'instant les 90 000 abonnés on y est pas trop, hein, on y est pas. Mais ça peut arriver très rapidement, on ne sait pas. On les avait déjà passés, hein. Il faut savoir que en décembre j'étais à peu près à 92 000 abonnés, et j'en suis à 89 000 aujourd'hui. J'ai perdu pas mal d'abonnés, mais je préfère en perdre que garder des abonnés inactifs. Faut relativiser, et sincèrement ça me dérange pas, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont derrière pour regarder mes vidéos, ils sont toujours là pour kiffer. Donc tant qu'il y a des personnes, en fait je continuerai YouTube, parce que ça me fait kiffer de voir des personnes qui regardent mes vidéos. Donc comme dit, tant qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, moi je continue. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, et je continuerai, bah même s'il y a deux personnes qui regardent mes vidéos, je continuerai. Voilà, c'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Bref, je pense qu'on arrive à la fin de ce mix au point. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis simplement d'avoir des informations. J'attends vraiment vos commentaires, vos avis, vos retours, si vous avez envie que je fasse des vidéos sur certains jeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie que je change des trucs, que je m'améliore, si vous avez des critiques, allez-y, clairement, hein. Même si elles sont négatives, j'aime beaucoup avoir des critiques négatives tant qu'elles sont construites. Parce que si j'ai un commentaire, t'es une merde, Dimitri, tu te calmes, hein. Dimitri, tu vas partir dans les spams potentiels, de toute façon, c'est pas la peine. Sincèrement, tu vas pas rester très longtemps dans les commentaires. Dans ce moment, voilà, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui sont encore actives sur ma chaîne, qui me suivent sur Twitter, Instagram, YouTube, qui sont vraiment là à chaque fois que je sors une vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir ici. Grosse dédicace à vous, hein, vous reconnaîtrez tout simplement parce que vous regardez pas la vidéo 4 mois après. Voilà, vous la regardez souvent très rapidement, je le vois, même si vous êtes pas beaucoup. Ça fait toujours plaisir, voilà. Bref, merci beaucoup. Je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue, sinon je vais m'éparpiller. Merci d'avoir regardé ce mix au point. Le prochain arrivera peut-être le mois prochain ou dans 2 mois, etc. C'est quand j'aurai une autre information. De toute façon, les mix au point seront pas mal espacés, hein. Il y en aura pas un toutes les semaines parce que j'ai pas des informations à vous balancer comme ça toutes les semaines. Mais là, ça vous permet d'avoir 2-3 informations et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, à partager, à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine. C'était Mix. Ciao, ciao.